curiosité étaient les ancêtres des musées, des pièces qui regroupaient un ensemble de collections très hétéroclites d'apparence, les naturalia, les artificialia, les exotica et les scientifica. Les naturalia pour les espèces naturelles, évidemment, les artificialia pour tout ce qui concernait la création humaine, les scientifica pour les instruments scientifiques, et puis les exotica, enfin, pour tout ce qui concernait les objets provenance lointaine, exotiques, et notamment les espèces naturelles aussi, enfin, les spécimens naturels. Ces collections étaient exposées du sol au plafond dans ces pièces. Les cabinets de curiosité, cependant, désignaient aussi des meubles à compartiments dans lesquels on trouvait des collections de petite taille. Et aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas évidemment de reconstituer un cabinet de curiosité à l'identique, mais simplement de faire une évocation du cabinet, des cabinets de curiosité en général, parce que ça fait partie de l'histoire du collectionnisme. Et donc, vous pourrez l'apercevoir dans la première section, où vous y retrouverez des objets notamment du musée de Saint-Nicolas de Valermont, que je tiens à remercier pour sa participation, notamment concernant les scientifiques, les instruments plutôt scientifiques liés à la mesure du temps. Vous avez aussi des objets qui sont plutôt liés aux trois autres catégories que je vous ai citées. Et là, vous retrouverez des objets prêtés notamment par le château musée de Dieppe, que je tiens également à remercier, par l'équipe en général. Et parmi ces objets, il y en a deux que je tiens à souligner, c'est la rose de Jéricho et le rostre, qui sont vraiment des objets les plus emblématiques des cabinets de curiosité en général, notamment du XVIIe siècle, à l'époque de l'apogée des cabinets de curiosité. Et je vous invite à lever la tête, parce que du coup, vous aurez à l'image des cabinets de curiosité la possibilité de voir également des objets plutôt en haut du nez. On va faire un bond dans le temps et on passe au XXe siècle, avec une deuxième partie sur les collections en série. Donc cette partie s'est enrichie de nombreux prêts particuliers, hein, collections de monnaie, collections de timbres, collections de porte-clés, voilà, des collections populaires qu'on a peut-être tous un jour commencé en étant enfant ou bien à l'âge adulte. Une troisième partie de l'exposition, une grande partie de l'exposition même, est consacrée à Anatole Jakovsky. Je vous ai parlé de ses collections pléthoriques. Le plus difficile a été de faire le choix qu'est-ce qu'on va exposer des collections d'Anatole Jakovsky. Donc nous avons choisi d'exposer ces collections autour du thème du tabac, qui permettent de présenter une grande variété d'objets. Voilà. Donc vous découvrirez ces collections d'Anatole Jakovsky sur le tabac. On a emprunté à peu près 300 objets, hein, mais c'est qu'une petite partie de ces collections sur ce thème. Voilà la dernière partie de l'exposition. Donc là, est consacrée aux collections sur l'histoire d'un territoire et notamment d'une commune, donc sur la collection d'objets autour d'Arc-la-Bataille.